نقراه كيما انا بري نوت التصريح نتاعو الاجابه نتاعو عن امام رئيس المحكمه. الور التصريح تاع الفريق مدين محمد يقول بلي هذا le complot réel et véritable qui me place devant vous en tant qu'accusé aujourd'hui vient de mes tentatives de lutte contre la corruption. Il vient de loin. J'ai lancé de multiples enquêtes sur de graves dossiers de corruption et de détournement dès que j'ai constaté avec mes services le développement considérable de la corruption au sein de nos jeunes organisations financières et industrielles, les dégénérants, les digérants et les tuant dans l'œuf, atteignant l'ensemble des secteurs de la vie nationale, économique et sociale. Un développement criminel oligarchique d'une corruption vite mélangée avec la politique et l'exercice des missions des pouvoirs publics, voire le fonctionnement de l'État. Une transformation rapide et nouvelle de cette forme de criminalité, hautement dangereuse pour l'existence même de notre nation. Avec le nombre de gens mêlés aux affaires et au trafic véreux, les appétits ont grandi. La moindre entreprise spontanée, gracieusement financée, porte sur des chiffres que l'on n'a jamais osé imaginer. La soif de faire des affaires malhonnêtes et de les faire vite est devenue générale. L'appât du gain facile à lever tous les scrupules. La spéculation criminelle anti-économique de l'oligarchie ambiante a apporté avec elle une véritable démoralisation nationale dans l'ensemble des domaines constitutifs de notre être historique, économique et vivrier. Travail, création, patrie, honneur, honnêteté, tout cela est parti. Haine populaire de l'État complice des voleurs et des corrompus. Le profit, le gain, ne dépendent plus de l'honnêteté et du travail, mais de la relation criminelle, de l'habileté criminelle à voler, à détourner. Oligarques, démarcheurs, intermédiaires, rabatteurs, publicistes financiers, politiciens, financiers ont pullulé par génération spontanée à l'ombre de l'État corrompu et des oligarques avec leurs fausses grandes entreprises. Enhardis, ces oligarques et leurs complices institutionnels ont introduit dans notre pays le principe systémique des pots de vin, des commissions faramineuses devenues un véritable cancer des projets publics, comme la Sonatrach, l'autoroute Est-Ouest. Ils ont mis en place des organisations criminelles formant par leurs ramifications mondiales et internes une puissance occulte dans les rouages de l'État qui doit compter avec elle pratiquement sur tout. Ténébreusement, sournoisement, officiellement, tout un personnel institutionnel criminel et chaque jour plus nombreux avait étendu un habile réseau destiné à compromettre et corrompre les plus honnêtes de nos citoyens et de nos responsables. La corruption allait donc faire disparaître littéralement et physiquement notre jeune nation, ses territoires et ses richesses nationales. Voir son peuple dépossédé de toute valeur de vie composée. Je persiste à croire, malgré le mal fait à ma famille, à mes enfants, aux principes qui animent celles et ceux qui luttent contre la corruption destructrice, que mes initiatives d'enquête contre la grande corruption demeurent le fer de lance de mon devoir accompli, même s'il doit me coûter très cher, voire le prix de ma vie. Voilà donc, c'est au tribunal militaire de Blida, l'audience du 24/9/2019, la déclaration du général Toufik. Ah, ça, on verra, inchallah, demain. Là, c'est la déclaration, la réponse n'est. Donc, comme tu veux dire, on est vraiment fatigué. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, j'ai pas bien, je pense que c'est 15 ans. Voilà. Red Adi, Soudja, ou Kayn Mazel, Israat, Mazel,
مازال الحرب القضائي. الحكم النهائي سيدي في الحكم طبعا، انكم ستستأنفون في الحكم طبعا، هذا هو هذا حق المحكوم عليه. ولا الور باردون الاستاذ سيرياك.